et bienvenue à notre chaîne Aemilia's Kitchen. Notre recette est la tarte aux pêches à la crème. Pour cela, il me faut pour la pâte brisée 200 g de farine, 100 g de beurre mou, une cuillère à soupe de sucre semoule, l'équivalent de 6 cuillères à soupe d'eau froide, un jaune d'œuf et une pincée de sel. Pour commencer, je vais intégrer le beurre mou, comme vous voyez. À la farine, j'ajoute pincée de sel. J'ajoute le sucre, j'essaie de bien mélanger. Je fais un creux et j'ajoute le jaune d'œuf. Et l'eau petit à petit. Voilà, j'ai formé une boule. Il me reste une autre étape, c'est d'écraser la pâte avec la paume de ma main pour rendre la pâte homogène. Ma boule est prête. Je vais la mettre dans un film élastique et je la laisse reposer 10 minutes. Je procède à la préparation de la crème. Pour la crème, il me faut 3 œufs, 15 cl de crème fraîche, 3 cuillères à soupe de sucre semoule, 1 cuillère à soupe d'eau de rose. L'eau de rose et la crème fraîche un peu liquide. La crème est prête. Je vais couper les pêches. Là, j'ai enlevé la peau des pêches, donc je vais les couper en petites lamelles, en fines lamelles. Ma pâte est prête, je l'étale sur un papier de cuisson. Elle est prête, donc je mets la pâte
dans mon plat à four. Je la pique avec une fourchette. Et je place mes fruits dans mon plateau. J'arrose avec la crème. J'enfourne environ 30 minutes à 200 degrés. Là, c'est prêt. Je vous souhaite bon appétit. Si vous appréciez cette recette, aimez et commentez cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne, à Emilia's Kitchen, pour recevoir nos prochaines recettes.